1,3 million de valeur d'attaque. 1 million de valeur d'attaque ici. J'ai pas mis de d'item. Hein. C'est... Ah, voilà. Yo les potes, ta forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour un test des cyborg LR à 100%. Alors, comme vous avez vu, il y a la célébration en ce moment sur la globale qui nous permet de mettre ces cyborgs là à 100%. Donc, on a les orbes de potentiel qui sont là tous les jours pour le type AJ. Il y a des DS à récupérer en les montant. On a aussi des vieux Kai, on a plein de choses à faire. Donc je vais vous montrer que même en dehors de cette campagne, ils peuvent... c'est vraiment c'est vraiment une très bonne unité, ils peuvent beaucoup servir. Bien sûr, ici on est en double super C17, hein. Le leader il est pas trop utilisé. Mais vous allez voir que cette team elle est monstrueuse. D'ailleurs, un grand merci au frérot qui a prêté son compte pour faire la vidéo, hein, parce que c'est pas mon compte bien sûr les gars. Imagine Vegeta LR, super C17, rosé à 100%, c'est sûr que ça va pas être à moi. Et aussi le Rindo, où il faut invoquer sur le portail Mono AG pour l'avoir, hein, voilà. Donc il se reconnaîtra, un gros merci, grande dédicace à lui. Et on va partir sur le boss rush de tout de suite pour tester ça. Donc on part sur le super 3 du boss rush 2. Alors en même temps ça va faire ce qui est bien, c'est que cette vidéo va vous montrer aussi un test de la team Extrême AJ. Sachant que cette team là moi je l'ai pas malheureusement. J'aime bien, vous savez que j'aime bien vous montrer les teams qui sont un peu moins utilisées, etc. Alors premier tour on a... on a le super... ah, attendez, c'est intéressant de voir. Bon bah, le nôtre il est un peu plus monté. Vous voyez la différence ou pas? Vous voyez cette différence là les gars? Quand le, quand on met le C17 à côté, vous voyez cette différence ou pas? Donc à savoir que à chaque il tank à 40%, donc il réduit les dégâts encaissés de 40%. Et à chaque fois qu'il se prend un dommage, il augmente son attaque de 30%. Hop. On met le petit x2, bon c'est près du 56, du coup on part en SP à 645 000, c'est pas mal parce que on n'a pas encore notre boost. Voilà. Bon, on se prend une SP, alors on va voir combien on se prend sur la SP. On prend du 16 000 quand même. On se prend du 16 000. Ok, celui-ci monte à 400 000. Donc le but ça va être de réunir les cyborg et l'air. Vous voyez clairement cette rotation là. On va garder le rideau. On va avoir un premier aperçu ici. On va avoir un premier aperçu. On va garder le rideau. Là le rideau il va prendre ses verres. Le rideau ici il va prendre ses verres. Je vais commencer par vous montrer l'aspect à tout simplement quand on part pas en SP ultime. Donc entre 12 et 17 de ki. L'aspect du rideau qui est assez original aussi, qui est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on part en SP avec les cyborg LR. On part à 830 000. Ce qui est pas dégueu du tout. Et on lâche du 426 000. Bon, le petit rosé 100% est bien sûr qui va mettre une grosse tarte dans sa bouche. 593 000, il a pas crit. Bien sûr, c'est le retour du bonnet, les gars, parce que je suis toujours pas allé chez le coiffeur. On garde des petits bonnets. Alors, ici, on a le Majin Vegeta LR. C'est pas le but de le tester, hein. Même si ça va être en même temps un petit showcase de la team extrême. AJ, hop, on va mettre ça là. Celui-ci, de toute façon, même s'il part en SP, il va pas faire grand-chose. On va partir en SP avec le Majin Vegeta LR. Mais le Majin Vegeta LR, vous allez voir que c'est un gros monstre, hein. C'est un gros monstre. Je suis pressé que la catégorie guerrier ressuscité sorte, hein, parce que vous allez voir. Enfin, moi pour le moment je l'ai pas. J'espère l'avoir un jour d'ailleurs. J'espère l'avoir un jour et j'espère que vous l'aurez aussi. Mais vous voyez, il monte à 1,8 million de valeur d'attaque. Oh là 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 là. Oh, 1,8 million de valeur d'attaque, punaise. Et là c'est un boost de 120%, vous imaginez, avec un double 170%. Alors voilà, le tour qui m'intéresse. Le tour qui m'intéresse. Voilà, on va prendre tout ça. On va prendre tout ça. Hop. On a ramené un petit Oolong pour le fun. Alors ici on va faire quoi? On va garder... on a un peu obligé de garder le Super C17 ici. On est un peu obligé. J'aurais dû peut-être un peu la jouer autrement, mais bon. Alors, on part en SP. Donc, celle-ci, c'est la SP ultime, par contre. Allez, calme dans le petit crit. Ah, pas de crit. Vous voyez quand même qu'il a fait du 1,5 million crit. C'est pas dégueu du tout. C'est pas dégueu du tout.
Sachant aussi qu'ils ont plutôt une bonne défense. Hein. Ils ont plutôt une bonne défense. Voilà, le Super C17. Alors, le problème avec cette team, c'est que le Super C17, il met un peu trop de temps à se lancer, en fait. Il est très bon, mais il met un peu trop de temps à se lancer. Ses dégâts, il réduit de 40%, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Par exemple, un 50%, ça aurait été beaucoup mieux. Vous voyez quand même qu'on a 323 000 d'HP. Après, bon, il y a les cyborgs LR à 100%. On a le Majin Vegeta LR. On a le Black Goku Rosé qui est à 100% aussi. Et d'ailleurs, qui rigole pas, hein, qui rigole pas depuis tout à l'heure, là. Mais c'est assez radin, là, en crit depuis tout à l'heure. Hein. Assez radin en crit. Je sais pas pourquoi. Ah, quand même. D'accord, ça monte. J'ai 1 million 1. On commence à monter un peu. On passe au petit freezer. Alors, Magie Vegeta, on va le mettre là. Tac, on va partir en spé comme ça. Du coup, ça sera pas la spé ultime. Imagine Vegeta non plus partira pas en spé. C'est aussi son problème dans cette team là, hein, c'est bien. Vous voyez, on a pris du 8300 quoi, c'est. C'est fou, hein, c'est fou. Allez, quand même, peut-être un petit crit. Non, toujours pas de crit, bon d'accord. Bon, l'attaque elle est dérisoire ici parce que le combat vient de commencer. Forcément, il s'est pris encore aucun dégât. Et imagine Vegeta qui n'a pas son boost d'attaque vu qu'il est pas parti en spé. Alors, vous allez voir. Alors, hop. Les cyborgs galères, ils sont à 59 000 de défense. C'est pas dégueu du tout. Hein. 59 000, vous inquiétez, c'est pas mal d'attaque avec. Même des SP. Hein. Même des SP. À partir du moment où on va dépasser les 50 000, vous inquiétez plutôt bien. Tout ce qui est SP. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu assez heal. Hein. On n'a pas eu à ce heal. Après, cette team-là, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a un arbre de compétences est assez développé dessus. Du coup, on a du heal avec les sphères de ki. Et hop là. Ça s'en va. On passe au petit freezer. Alors. Tac tac tac, on va mettre quoi ici? On va mettre ouais, on va faire comme ça. Hop. Donc là, vous voyez bien que ce qui est bien entre les cyborgs, c'est qu'ils ont énormément de liens en commun. Bon, là, il va se prendre 0 dégâts clairement. Ça, c'est la mini-leader en plus. El famoso Susukoro. $1,3 million de valeur d'attaque. $1,3 million de valeur d'attaque ici. J'ai pas mis d'item. Hein. C'est. Ah, voilà. Là, c'est plus intéressant. Un petit 3 millions d'œufs qui tombe. Petit 3 millions d'œufs qui tombe, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure. C'est que bien que ça soit une unité gratuite, a fait le taf. A fait clairement le taf. Y a pas à lésiner là-dessus. Tac, tac. On part comme ça. Bon là, c'est fini pour lui. Hein. Rien que le Majin Vegeta LR et le one shot. Alors le rosé, c'est même un petit crit. Ça va partir à la poubelle aussi. D'ailleurs, c'est dommage que le nouveau rosé qui est sorti sur la jab surpasse carrément l'ancien. Ça aurait été plus intéressant de lui donner peut-être un autre passif, mais bon. Il a la même utilité dans la team et en plus il donne un boost de défense. Du coup, pour ceux qui l'ont à 100%, le rosé, là, on est un peu dégoûté. Hein. Moi, j'ai deux doublons dessus, mais bon. C'est salaud quand même hein, de faire ça. Alors. Alors. On n'a pas de lien en plus ici. Hop. On va transformer les boules de ki. Vert en bleu. Alors. On a des verts. Hop. On va mettre le Super C17 ici. Le Soupa C17. Et en plus, les cyborgs ici. Ils ont encore 59 000 de défense, d'accord. Pourtant, normalement, on a le boost de 40% du read, qui tout à l'heure n'était pas actif. À moins que je l'ai sur plateau. Bon, d'accord. Du coup, on va partir en spé ultime avec les cyborgs. Hop là. Ah, le Dokkan mode sur Super C17, mon dieu. Mon dieu.
Bon, ça va faire. En fait, j'allais dire ça va nous faire un petit aperçu de ses dégâts, mais en fait, il a l'air pas monté, je crois, l'ami leader. Je crois qu'il a même pas l'arbre gratuit monté. Tellement il ne l'utilise pas. Putain, c'est dommage, j'aurais kiffé avoir le. Ah oui, quand même. Ah oui! Ah oui, quand même, d'accord. C'est dommage, j'aurais kiffé l'avoir sur les cyborgs. Un petit cri. Ah ouais, on l'aurait sur les cyborgs, les gars, et ils nous auraient foutu du 5 millions là. Enfin, du 5 millions, j'amuse un peu, peut-être du 4 millions. Ça aurait été pas mal. Hop. Bon bah, pour. Ouais, bah, on est full life, hein. On est full life, clairement. On est full life pour le moment. On va faire encore un petit boss après. Histoire de voir si crit avec l'item support ce que ça va donner. Voilà, le petit freezer, il est fini sans trop de difficultés, tranquillement. Hop. Alors, ici, on va faire comment pour partir en speed? Comment on va faire pour partir en speed ultime? C'est une bonne question à laquelle j'ai une réponse. On va faire comme ça. On va faire comme ça tranquillement. On va partir en speed. Allez, balance la première attaque. Hop là. On voit la différence, hein, on voit la différence quand il y a tous les liens d'activer, etc. et qu'il y a les supports dans le tour. C'est sûr que c'est pas pareil. Ah oui, oui, du 307 000. Bah après, c'est le type contraire ici. Donc c'est un peu normal. Putain, la valeur d'attaque du Vegeta fait quand même rêver quand même. 1,5 million de valeur d'attaque. Metal Reel, on va le mettre là. Hop. Allez, la petite spé, tac tac. Tu nous mets un crit pour montrer. Voilà, un petit crit, ça fait plaisir. 1,9 million de valeur de dégâts. Alors, voilà. C'est le tour ultime. Le tour ultime. Celui-ci, c'est le tour ultime. Alors, on a un item pour changer les pieds. Donc, vert en bleu. Si on a les verts. Alors, les vertes en bleu. Ça va pas suffire, ça. Enfin, ça va suffire pour partir en spéculation, mais ça va pas suffire pour. Ah bah voilà, bah c'est bon. C'est bon. On est bien, les gars, on va pouvoir le test. Hop, regardez. Voilà, ça c'est beau, ça, les gars. Ça c'est beau. Et regardez maintenant. 200 000 de valeur d'attaque. Bah, 240 000. 240 000 de valeur d'attaque. Bon, voilà, les petits supports qui montent à 300 000. Une petite tatane sur le black. 1,6 million de valeur d'attaque. Allez, le petit crit. Fais-nous plaisir. Pas de crit. Ah, attaque supplémentaire. Attaque supplémentaire, mais bon. Attaque supplémentaire qui ne crit pas non plus. Bon, là, je pense qu'on avait le au niveau des liens, etc., on avait le meilleur tour qu'on pouvait faire. Parce que là, il y avait clairement tous les liens d'activer. Bon, le Majin Vegeta, il va pas trop rigoler avec lui. On va mettre le C17 ici pour encaisser les coups. Hop. À savoir que le Majin Vegeta, il part, il fait plus de dégâts avec sa première spé, sauf si vous remplissez toute la jauge. Donc, en gros, soit partez en dessous de 17 de ki, enfin de 18 de ki, soit partez à 24. Quoi. Sinon, il fera moins de dégâts. Parce qu'il y a un multiplicateur aussi au niveau des ki récupérés. Bon, on a pris du 40 000, ok. Le rosé qui tabasse son ami Black. 1,5 million de valeur d'attaque comme d'hab. Et on va voir un dernier tour avec les cyborgs, ça c'est cool. Ça c'est cool. On va pouvoir les tester une dernière fois.
En spé ultime. Alors on va lâcher le dernier item. Hop. Alors là ils ont beaucoup plus de valeur d'attaque de tout à l'heure parce qu'il y a le rift dans le tour. Il y a le rift dans le tour. Ah là ça va envoyer sévère. 300 000 de valeur d'attaque. Allez, allez. 2 millions de valeur d'attaque. 2 millions de valeur d'attaque. Tu nous lâches un crit ou pas? Est-ce que tu nous lâches un crit? Allez, fais-nous plaisir. Pas de crit. Ah, pas de crit. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars. 2 millions de valeur d'attaque en crit. Il aurait juste été monstrueux. Je pense qu'il nous aurait sorti. Oh, ça aurait été incroyable. Bon bah écoutez, voilà pour ce petit showcase de CC Box 100% LR dans la team Extrême Magie. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas moi ça m'a plu. Ça faisait longtemps que je voulais tester ce team là. C'est vrai que on voit pas beaucoup de Super C17. Cette team a nécessité quand même le Majin Vegeta LR pour être vraiment forte. Donc voilà, c'était cool. On a vu ça ensemble. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à t'abonner frérot. Et je te dis à la prochaine, ciao ciao.